Bonjour les tricopines, dans ce tutoriel, nous allons tricoter ensemble une salopette. Donc nous avions fait la robe et maintenant nous allons faire la petite salopette qui est assortie donc à cette robe. Donc c'est une salopette mixte qui peut très bien être portée par les petites filles comme les petits garçons. Je pense que c'est une taille 1 an, 18 mois. Donc je ne l'ai pas encore faite, je le fais en même temps que vous, donc j'ai préparé, je vais vous expliquer tout ça. Donc j'ai préparé un petit peu, je n'ai pas de modèle terminé pour vous le montrer. Donc si vous voulez voir la salopette tricotée entièrement, il faudra aller dans la dernière partie de ma vidéo, de mes vidéos plutôt. Ou alors vous regardez la photo que je vais mettre en présentation. Donc c'est une salopette qui se tricote pratiquement comme la petite robe que nous avons faite en bleu, la petite robe à bretelles que nous avons faite en vert, pardon, pour moi, et le modèle était en bleu. Alors, pour tricoter donc cette salopette, il nous faut 100 grammes, un peu plus de 100 grammes de laine. Donc, je vous le dirai à la fin parce que là, pour l'instant, comme je ne l'ai pas encore tricotée, je ne sais pas exactement. Moi, j'ai pris une laine qui est très fine et je l'ai doublée. Donc, et je le tricote en 3,5. Donc, vous choisissez la laine de votre choix que vous pourriez tricoter en 3,5. Si vous choisissez une laine qui se tricote en 3,5, 4 et en gardant les mêmes nombres de mailles et les mêmes dimensions que je vais vous donner, vous obtiendrez quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, si vous avez des enfants un peu plus grands, voilà, vous pouvez très très bien le faire. Alors, pour le réaliser, comme je vous ai dit, je pense qu'il faut un peu plus de 100 g de laine. Prévoyez 150, même voire 200 g de laine. Prévoyez deux paires d'aiguilles 3,5. Prévoyez des boutons, parce qu'il va y avoir des boutons. Donc, il va nous falloir 1, 2, 3, 4, 7 boutons. Comme nous avions fait pour la petite robe. N'oubliez pas votre aiguille à laine. Nous allons avoir besoin de notre aiguille à laine pour coudre, bien sûr. Et aussi pour la poche que nous allons faire pour le devant. Alors, pour le réaliser, j'espère que je n'ai rien oublié, mais je répéterai dans les autres vidéos aussi. Pour le réaliser, alors, d'une part, vous allez monter 34 mailles, pardon. Vous montez 34 mailles sur vos aiguilles que vous allez tricoter pendant 3 cm. Une fois que vous avez tricoté pendant 3 cm aux côtes de 2, donc pendant 3 cm aux côtes de 2, vous allez tricoter donc un rang à l'endroit, un rang à l'envers, et là je vais vous montrer ce que vous allez faire. Parce qu'il va y avoir des augmentations au niveau, regardez, de l'entrejambe. Donc, ici, vous voyez, nous avons des augmentations comme ceci au niveau de l'entrejambe. Alors, dans un premier temps, nous allons préparer cette partie qui va être la partie droite de notre pantalon. Donc, nous allons commencer par la partie droite. Et pour cela, je vais vous expliquer comment vous allez faire. Alors, j'ai pris un échantillon comme pour que ça aille plus vite. Et dans l'échantillon, vous allez, donc une fois que vous avez fait vos côtes pendant 3 cm, vos côtes de 2 pendant 3 cm, vous allez tricoter un rang à l'endroit. Donc, toutes nos mailles à l'endroit. Nous sommes sur l'endroit de notre travail. Nous allons tricoter ça en jersey endroit, donc un rang à l'endroit, comme ceci. Si vous voulez, je vous le dis maintenant, vous pouvez prévoir aussi un compte rang pour nos augmentations. Donc sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'envers. Je tricote donc toutes mes mailles à l'envers. Donc vous travaillez sur 34 mailles.
Ici, vous travaillez sur 34 mailles. Je suis sur l'endroit de mon travail et là, nous allons faire une augmentation. Donc, la première maille, je la tricote. Ma maille lisière, je la tricote. Je ne l'enlève pas de mon aiguille et je vais piquer sur le brin de fil qui est derrière, regardez là. Et je vais la tricoter une deuxième fois. Donc, j'ai fait une augmentation et je continue tout droit jusqu'à la fin du rang. Donc là, si vous voulez, vous pouvez compter. Donc ça, c'est, nous allons faire ça tous les trois rangs. Donc ce rang, je ne le compte pas, c'est mon rang d'augmentation, je compte pas. Et si vous voulez, vous pouvez le noter, si vous voulez, vous faites rien du tout, vous retenez. Donc je vais faire, voilà, ça, voilà mon premier rang ici. Je fais mon premier rang ici, donc je suis sur l'envers de mon travail, ça correspond à mon premier rang parce que je vais refaire une augmentation tous les trois rangs, c'est-à-dire sur le quatrième rang je vais faire mon augmentation. Donc j'ai tricoté mon premier rang, donc voilà, j'ai tricoté mon premier rang, je marque mon deuxième rang pour ne pas oublier, mais bon, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé. Mon deuxième rang, je tricote. Donc là, j'ai 35 mailles. Mon deuxième rang. Je suis sur l'arrière, donc c'est mon troisième rang. On voit pas bien, mais bon. Mon troisième rang. Donc, vous pouvez très bien compter, le noter, compter, voilà, faites comme vous avez envie, mais il ne faut pas oublier tous les quatrièmes rangs. Nous faisons notre augmentation sur notre quatrième rang. Donc là, je suis sur mon troisième rang et hop, voilà, mon quatrième rang. Donc, sur mon quatrième rang, je vais refaire une augmentation exactement pareil. Première maille lisière, je tricote normalement, je n'enlève pas, regardez, ma maille de mon aiguille et je vais aller la piquer une deuxième fois comme ceci et je la tricote. Et j'ai fait une deuxième augmentation, donc là je dois être à 36 mailles. Donc je tricote mon rang d'augmentation et je vais encore tricoter 3 rangs. Donc, je compte pas mon rang d'augmentation. Là, je suis sur mon premier rang. Donc, premier rang à l'envers. Je tricote mes 36 mailles. Comme ceci, je suis sur mon deuxième rang, je suis sur mon troisième rang, donc à l'envers, je suis sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'envers. Et je suis sur mon quatrième rang qui correspond à mon rang d'augmentation. Donc je fais la même chose, regardez. Ma maille lisière, je vais la tricoter, je la passe pas. Donc, ma maille lisière, je la tricote. Je vais chercher le brin de regardez le brin arrière comme ceci et je vais la tricoter.
Donc d'une maille, j'en ai fait deux. Et là, je dois avoir 36 mailles sur mes aiguilles. Donc je vais vous montrer encore une fois. Vous allez faire ceci pendant 11 fois. Donc il va y avoir 11 augmentations tous les 4 rangs. Enfin, sur la quatrième rang, nous allons faire une augmentation. Là, je suis sur mon premier rang après l'augmentation. Donc, mon rang d'augmentation, je ne compte pas. Je compte mon premier rang, ce qui correspond derrière. Regardez à l'arrière de mon travail. Donc, je suis à ma troisième augmentation. Donc, j'ai 35, 36, je suis à 37 mailles normalement. J'avais 34 mailles, j'ai augmenté une maille, ça m'a fait 35, 36, 37. Donc, je suis sur mon deuxième rang. Donc, vous tricotez toutes vos mailles. Je suis sur mon troisième rang. Donc, vous pouvez avec votre comptant compter ou compter comme ceci dans votre tête. Voilà, je termine mon troisième rang. Voilà, je suis sur mon troisième rang, j'ai terminé. Et là, je suis sur mon quatrième rang, donc mon rang d'augmentation. Je regarde ma maille lisière, je la pique une fois, je ne l'enlève pas de mon aiguille de gauche et je vais chercher la maille qui est derrière. Et voilà, j'ai fait une augmentation. Donc vous allez faire ceci pendant 11 fois, c'est-à-dire vous allez faire 11 augmentations comme ceci tout les trois rangs, c'est-à-dire sur votre quatrième rang en tête, vous allez faire votre augmentation et vous allez vous retrouver à la fin avec, que je dise pas de bêtises, 45 mailles. Donc vous allez faire ceci jusqu'à ce que vous ayez 45 mailles sur vos aiguilles. Donc, une fois que vous avez vos 45 mailles, vous avez fait votre augmentation, comme ceci, regardez. Une fois que vous avez fait votre 11e augmentation, vous arrivez donc à votre... Vous avez 45 mailles sur vos aiguilles, vous avez fait votre augmentation. Supposons que là, j'ai fait mes 11 augmentations. Donc, j'ai fait ma dernière augmentation qui est la 11e ici. J'ai tricoté mon premier rang, je vais tricoter une deuxième fois, comme ceci. Donc, je tricote après l'augmentation, ma dernière augmentation, la 11e. Donc, j'ai fait mon augmentation, j'ai tricoté jusqu'au bout, j'ai tricoté un rang à l'envers, un rang à l'endroit. Et je tricote un rang à l'envers, comme ceci. Un rang à l'envers. Et je vais laisser ces mailles en attente sur une aiguille. Donc c'est ce côté-là, regardez. Donc nous avons commencé avec 34 mailles que nous avons tricotées pendant 3 cm aux côtes de 2. Nous avons tricoté un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Nous sommes sur l'endroit, nous avons fait une augmentation, nous avons tricoté 3 rangs au quatrième rang, nous avons fait une augmentation, et ainsi de suite, 11 fois, de façon à ce que nous obtenions
45 mailles sur nos aiguilles. Une fois que nous avons 45 mailles, ce qui correspond en tout à 18 cm. Donc, ça correspond, c'est ce côté-là. Voilà, nous avons fait ce côté-là. Donc, ça correspond à 18 cm. Une fois que vous avez fini vos augmentations, 18 cm, une fois que vous avez fait votre 11e augmentation, vous faites un aller-retour, aller-retour, et vous laissez en attente sur une aiguille auxiliaire, sur un arrête-maille ou sur les aiguilles sur lesquelles vous aviez tricoté. Donc, vous laissez en attente. Et de l'autre côté, nous allons préparer l'autre, comment on appelle ça, le bas de notre pantalon. Donc là, pareil, vous allez monter 34 mailles, vous allez monter 34 mailles que vous allez tricoter en côte 2-2 pendant 3 cm. Une fois que vous avez tricoté, vous allez faire un rang à l'endroit, un rang à l'envers, vous êtes sur l'endroit. Cette fois-ci, maintenant, nous allons faire les augmentations de ce côté-là. Ça va être l'entrejambe. Donc, regardez, ça va être comme ceci. Nous avons fait ce côté-là, ce qui correspond au côté droit. Maintenant, c'est le côté gauche. Et là, nous allons faire les augmentations à la fin de notre rang. Donc, je vais vous montrer ça aussi. Voilà. Supposons que vous avez tricoté vos 34 mailles en côte 1, en côte 2-2. Vous avez fait un aller-retour et c'est un aller-retour, c'est-à-dire un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers et un rang à l'endroit, et vous êtes sur l'endroit de votre travail. Et là, regardez, tout à l'heure, on avait augmenté notre première maille lisière. Maintenant, nous allons tricoter nos mailles comme ceci. Donc, nos 34 mailles, nous les tricotons comme ceci. Et nous allons augmenter notre dernière maille lisière. Donc exactement pareil, on la tricote une fois et deux fois. Donc une fois le brin avant, une fois le brin arrière. On tourne et là on va commencer à faire pareil. Tous les trois, c'est-à-dire on tricote trois rangs et à quatrième rang, on fait notre augmentation. Donc ça c'est notre premier rang. Après notre rang d'augmentation, donc je ne compte pas moi mon rang d'augmentation. Je tricote mon premier rang à l'envers, mon deuxième rang, donc je tricote mon deuxième rang, regardez l'augmentation elle est à la fin de mon rang, je tricote mon troisième rang, c'est toujours l'envers de notre travail, nous faisons les augmentations sur l'endroit. Voilà, je termine mon troisième rang et mon troisième rang. Donc là, je suis sur mon quatrième rang, mais je vais augmenter à la fin de mon rang. Donc mon quatrième rang, j'augmente à la fin de mon rang pour notre entre jambe gauche, voilà comme ceci, et vous allez continuer ainsi à augmenter sur le quatrième rang jusqu'à ce que vous obteniez 45 mailles sur vos aiguilles, c'est-à-dire ici. Une fois que vous avez obtenu 45 mailles, vous avez tricoté un rang à l'envers, vous revenez sur l'endroit, vous tricotez un rang à l'endroit, vous retournez, vous tricotez un rang à l'endroit et vous revenez, vous tricotez un rang à l'endroit jusqu'au bout.
Et normalement, vous avez 18 cm et 45 mailles. Là, nous allons faire quelque chose. Regardez. Vous allez prendre votre travail. Regardez, nous sommes sur l'endroit. Vous allez le retourner. Vous allez prendre sur l'envers. Et là, nous allons monter 10 mailles. Et pour monter nos 10 mailles, nous allons faire comme ceci. Regardez. Je ne sais pas si on voit bien. Je n'ai pas l'impression que c'est... J'ai l'impression que c'est assez flou, non? Est-ce que c'est... Voilà, regardez. Nous avons 2 mailles. 1, 2. Nous allons piquer au milieu de ces 2 mailles, comme ceci. Nous allons tricoter, regardez. Et j'ai une maille que je mets sur mon aiguille de gauche. Regardez, j'ai formé une nouvelle maille. Et là, je repique entre la première et la deuxième maille au milieu, dans le vide, comme ceci, à l'envers. Regardez. Comme ceci. À l'envers, au milieu, et je tricote. 2 mailles. Et je vais en faire 10 ainsi. J'aime pas trop. J'ai l'impression de ne pas avoir assez de lumière pour bien vous montrer. Alors, est-ce que c'est mieux maintenant? Regardez. J'ai 1, 2 mailles. Je pique mon aiguille au milieu, comme ça, dans le vide. Regardez. Au milieu de mes 2 mailles, ici. Et je pique au milieu, dans le vide, entre mes 2 mailles. Et je vais faire ma 3e maille, comme ceci. Hop, je tricote. Voilà. Et je fais une 3e maille, comme ceci. Et on va repiquer dans le vide, entre les 2 mailles, entre la première et la 2e maille. Nous allons piquer, regardez, entre ces 2 mailles, dans le vide. J'ai une maille là, une maille, regardez, entre les 2 mailles, je pique dans le vide et je tricote et je fais une 4e maille. Si je ne m'abuse, 1, 2, 3, 4, et nous allons faire ceci 10 fois. Donc là, je pique entre les 2 mailles, regardez, dans le vide, comme ceci, entre là. Alors moi, comme j'ai doublé ma laine, donc forcément, j'ai 2 brins de fil pour une maille. Regardez, je pique au milieu et je tricote, j'ai fait ma 5e maille, comme ceci. Je pique dans le vide, ici, regardez. Vous voyez, dans le vide entre 2 mailles, par derrière, et je tricote, et j'ai ma 6e maille, et on continue, regardez, entre mes 2 mailles, ici, dans le vide, comme ceci, dans le vide, et je ramène, et je fais une maille, donc je dois être à la 7e, regardez. Ici, entre mes 2 mailles, je pique dans le vide, dans l'espace, regardez, dans l'espace entre les 2. Je ne pique pas dans les mailles, je pique dans l'espace entre les 2 et je ramène. Et je dois être à 8, j'ai une nouvelle maille et juste, regardez, derrière la nouvelle maille que j'ai eue, par derrière, je ne pique pas dans les mailles, je pique ici, au centre, regardez. Dans le trou et je ramène et je dois être à, je vais vous dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'ai 10 mailles. Donc j'ai monté 10 mailles comme ceci, regardez, que je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, une fois que vous avez obtenu vos 10 mailles ici, nous allons prendre l'autre, regardez, l'autre jambe de notre salopette et regardez, je prends l'autre jambe et je vais continuer à tricoter. Donc je vais les assembler de cette façon-là, regardez. Donc j'avais laissé la première partie que nous avions faite en attente. La partie où nous avions commencé à augmenter
sur la première maille lisière, donc la partie, j'avais dit, qui correspond à la jambe droite. Et ici, regardez, nous avons fait nos 10 augmentations et nous allons venir tricoter nos mailles comme ceci. Et je vais tricoter donc toutes mes mailles. Donc là, je dois avoir 100 mailles sur mes aiguilles. Avec les 10 mailles que nous avons augmentées, j'ai 100 mailles sur mes aiguilles. Donc là, nous allons tricoter donc jusqu'au bout, à l'endroit. Donc, je vais aller jusqu'au bout à l'endroit. Donc, si vous tricotez plus vite que moi, sur l'envers, vous allez tricoter à l'envers jusqu'au bout. Voilà, j'ai terminé. Je tourne et là, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Donc toutes mes mailles. Donc toutes mes mailles à l'envers. Donc j'espère que j'ai été assez claire pour les deux petits morceaux. Si c'est pas assez clair, n'hésitez pas, vous savez très bien à mettre à me le faire savoir, donc moi je vous expliquerai, mais c'est très facile, c'est vraiment alors une salopette qui est facile, mais moi je vous le dis sincèrement, je ne l'ai pas tricoté, parce que vous savez, comme je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, en général je tricote d'abord moi, je vois le rendu et après je vous montre le modèle et je le refais avec vous. Bah là non, du coup là je le fais en même temps que vous, donc j'ai anticipé bien sûr un petit peu pour pas que ça soit trop long. Parce que là, la vidéo, elle va être un peu longue aujourd'hui. Donc, j'ai anticipé, mais je le fais en même temps que vous et on aura le résultat final ensemble. Donc, moi, j'ai le modèle visuel qui est très beau, mais je n'ai pas le modèle terminé entre les mains pour pouvoir vous le présenter. Comme je vous avais dit, maintenant je vais essayer de travailler comme ça, mais d'habitude je mets mes vidéos au fur et à mesure, et là je pense que je vais mettre mes vidéos une fois que j'aurai terminé, comme ça dans la dernière partie vous pourrez aller voir le modèle terminé, le rendu. Et là regardez, les mailles que nous avions augmentées, je suis arrivée au niveau des mailles que nous avions augmentées et je continue donc à les tricoter à l'envers. Voilà. Alors ici, on va attacher notre maille. Parce que voilà, on avait coupé le fil de l'autre côté. On attache et on continue à tricoter à l'envers. Donc en augmentant de cette façon-là, nous avons des plus jolies mailles. Nous avons un joli rendu. Vous voyez, nous avons un joli rendu, comme ça on voit pas qu'on a augmenté des mailles à ce niveau là et je continue donc à l'envers. J'aurais peut-être dû faire un petit échantillon pour cet endroit là aussi, parce que ça va être très long. Bon, on va le faire, c'est pas grave, je ferai plusieurs vidéos si c'est nécessaire. Donc c'est une salopette qui est assortie à la robe, mais
elle est mixte, donc vous pouvez très très bien la tricoter pour une petite fille avec différentes couleurs. Donc je tricote mon rang à l'envers. Donc j'ai fait un rang avec les augmentations. Après mes augmentations, mon deuxième rang, donc ici à l'envers, je dis bien après les augmentations du centre de l'entrejambe, donc, et je tricote à l'envers. Je vais donc, vous pouvez, si vous désirez, prendre des notes et le réaliser après. Moi, c'est ce que j'ai fait quand je regardais le modèle, j'ai pris des notes. Et là, au fur et à mesure, donc je vous explique. Donc ici, tout à l'endroit. Donc tout à l'endroit, le rang suivant sur l'envers, tout à l'envers, et après nous allons commencer à faire des diminutions. Vous allez voir à l'entrejambe. Nous allons réduire nos 100 mailles à 80 mailles. Donc il va y avoir des diminutions que nous allons faire à ce niveau-là, mais pas tout de suite. Donc je tricote tout mon rang à l'endroit. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors j'espère que vous avez que vous voyez bien, c'est pas trop clair. J'ai l'impression que j'ai un problème de lumière. Donc toutes nos mailles à l'endroit. Voilà, regardez les augmentations au niveau de l'entrejambe. Donc, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Donc, toutes nos mailles à l'endroit. Après, donc, nous allons tricoter sur le derrière toutes nos mailles à l'envers. Donc, je suis sur l'envers et là, toutes nos mailles à l'envers. Donc, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers.
Donc vous pouvez très très bien, je pense, tricoter ces jolies salopettes, cette jolie salopette avec du fil coton pour l'été. Hop. Donc si vous doublez votre laine, faites attention de ne pas, voilà, de ne tricoter qu'un seul brin, après c'est gênant. Donc si vous doublez votre laine, faites attention à ce que votre fil, vous ne tricotiez pas qu'un seul brin, parce que des fois ça m'arrive et le rendu n'est pas très joli. Alors moi j'aime bien le rendu de cette laine, c'est vraiment une laine qui est très douce, très fine, donc après doublé forcément ça convient très très bien avec des aiguilles 3,5. Donc choisissez une laine layette de votre choix. Qui se tricote en 3, 3,5. Alors, je vais jusqu'à la fin de mon rang. Je tricote mes 100 mailles à l'envers. Donc, jusqu'à là, rien de compliqué. Vous voyez, il n'y a absolument pas de complications. Alors, nous allons faire une poche centrale, comme nous avions fait alors pour celles et ceux qui ont vu le modèle de la robe à bretelles. Donc, ça va être exactement la même chose. Mais bien sûr, je vais vous expliquer aussi, pas à pas, comment faire notre poche. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Donc, moi, tous ces modèles, je les trouve sur des sites étrangers. Ce sont des modèles qui me plaisent énormément. Et donc, quand j'ai un coup de cœur pour un modèle, bah, j'ai envie de le partager avec vous. Parce que je sais que c'est pas évident de comprendre les autres langues et que des fois on a envie de faire des modèles mais qu'on comprend pas. Donc là pour le coup, quand j'arrive à comprendre, donc je m'inspire de ces modèles là et je les partage avec vous. Donc ce ne sont absolument pas mes créations à moi. Voilà, nous avons fait, regardez, nous avons fait à peu près 1, 2, 3, 4 rangs en tout. Maintenant, nous allons tricoter. Nous allons tricoter 45 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. Donc, il faut que nous ayons tricoté 45 mailles. Alors là, pour le coup, si vous avez un haut marqueur ou un petit bout de laine, vous pouvez le mettre à ce niveau-là parce que à chaque fois, nous allons compter 45 mailles. Ça nous évitera de compter. Alors, il faut que j'ai 45 mailles. Je vais compter 2 par 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28...
30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45. J'ai 45 mailles. Je mets un anneau marqueur, vous allez comprendre pourquoi. Et ça nous évitera, mais vous pouvez mettre un petit morceau de laine d'une autre couleur, ça n'a aucune importance, ou vous pouvez ne pas le mettre et compter à chaque fois 45 mailles. Et ici, regardez, ma maille, je la retire, regardez, je la pique comme ceci et je la retire de mon aiguille gauche et je la, regardez, je la fais tourner et je la passe. Et je vais tricoter deux mailles ensemble. Regardez. Donc là, c'est juste pour vous montrer comment j'ai fait. J'ai pris ma maille comme ceci. Voilà, vous voyez, comme ceci. J'ai passé sur mon aiguille de droite. Et je l'ai prise comme ceci par derrière. Donc ça, c'est pour avoir, vous allez voir tout à l'heure, un joli rendu comme ça, une continuité. Et là, nous allons tricoter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Une fois que nous avons tricoté 6 mailles, après nos deux diminutions, nous allons refaire une diminution ici, mais comme ceci, regardez. Comme pour tricoter à l'endroit, on prend les deux ensemble comme ceci. Regardez. À l'endroit. Et on tricote, et après nous allons donc tricoter nos 45 mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Hop. Donc, je vais à l'endroit jusqu'à la fin de mon rang. Donc je suis sur l'arrière et je vais tricoter donc jusqu'à la fin du rang à l'envers. Donc je sais que c'est assez long, je vais faire une vidéo assez longue, mais je vous remercie beaucoup pour vos jolis commentaires. Et donc il y en a d'entre vous qui aime bien donc que je fasse comme ceci pas à pas avec vous. Donc je vais le faire pas à pas avec vous. Nous allons donc nous le faisons ensemble et je vais essayer de vous expliquer encore un petit peu. Donc la vidéo va être un petit peu longue. À l'envers jusqu'à la fin du rang. Donc l'anneau marqueur, on le glisse. C'est juste pour nous éviter de compter nos 45 mailles à chaque fois.
Je suis à la fin de mon rang, donc je suis sur l'endroit et je vais tricoter jusqu'à mon anneau marqueur, donc 45 mailles. Vous tricotez 45 mailles à l'endroit. Donc j'arrive jusqu'à mon anneau marqueur, donc 45 mailles, et nous allons refaire des diminutions. Je vais vous montrer. Voilà, je glisse mon anneau marqueur et nous allons encore... Regardez, donc je vous montre, je prends, regardez, comme ceci, je rentre, je la retire ma maille et regardez, je vais la piquer comme ceci par derrière et je prends mes deux mailles ensemble, voilà, regardez, comme ça nous allons avoir une jolie continuité ici, je vais tricoter 4 mailles, 1, 2, 3, 4 mailles et là je vais tricoter 2 mailles comme ceci, les deux dernières mailles comme pour les tricoter à l'endroit ensemble, on pique et on ramène et on va tricoter tout droit jusqu'à la fin, donc à l'endroit jusqu'à la fin. Comme ceci. Donc l'importance de tourner la maille, c'est comme nous avions fait pour la petite robe, c'est d'avoir un joli rendu, d'avoir une belle ligne droite, parce qu'on veut que les mailles d'un côté on veut que ça aille comme ceci vers la gauche et de l'autre côté on veut que ça aille vers la droite, donc d'où l'importance de retourner la maille. Et je vais tricoter mes 45 mailles jusqu'à la fin du rang. Sur l'arrière, donc je tricote toutes mes mailles à l'envers. Donc je tricote toutes mes mailles à l'envers.
Je glisse mon anneau marqueur et je continue à tricoter toutes mes mailles à l'envers. Comme ceci, donc à l'envers jusqu'à la fin du rang. Oui, ça c'est long, c'est vrai. Et j'arrive donc à la fin de mon rang et hop, je suis sur l'endroit, donc je vais tricoter jusqu'à mon anneau marqueur à l'endroit. Donc nous tricotons jusqu'à notre anneau marqueur. Donc j'arrive à mon anneau marqueur, je le glisse, comme ça, ça m'évite de compter mes 45 mailles, mais vous, vous pouvez les compter, 45 mailles. Ici, regardez, on refait la même chose, je pique comme ceci, et regardez, mon aiguille, je vais prendre, regardez, comme ceci, par derrière ma maille, je prends les deux ensemble, et... regardez, j'obtiens quelque chose de comme ceci. Et là, nous allons tricoter deux mailles. Et nous allons retricoter, donc regardez, deux mailles ensemble, deux mailles à l'endroit, et tricoter deux mailles ensemble, et je vais tricoter mes 45 mailles restantes. Donc voilà ce que nous devons faire. Après, donc sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers.
Donc, j'ai terminé mon rang, je retourne. Et je vais tricoter donc mes mailles à l'envers, sur l'envers. Je glisse mon anneau marqueur et je tricote mes mailles à l'envers. Je fais donc jusqu'au bout. Alors comme ça, vous pouvez le faire avec moi au fur et à mesure. Comme je le fais en même temps que vous. Et je suis arrivée à la fin de mon rang, donc sur l'envers, je tourne, je suis sur l'endroit et je vais tricoter donc jusqu'à mon anneau marqueur. Donc je tricote à l'endroit jusqu'à mon anneau marqueur. Je glisse mon anneau marqueur et regardez, n'oubliez pas de tourner la première maille, regardez. Je la prends et je la pique comme ceci. Et je prends deux mailles ensemble et les deux suivantes, tout de suite après, les deux suivantes ensemble, comme ceci. Les 10 mailles que nous avions fait ici, les augmentations, regardez, nous les avons réduites. Ça nous fait, regardez, nous obtenons un joli triangle. Et je continue à tricoter toutes mes mailles à l'endroit et sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers.
Et à partir de maintenant, hop, donc je vais jusqu'à la fin sur l'envers, toutes nos mailles à l'envers. Donc sur l'envers, toutes nos mailles à l'envers. Je glisse mon anneau marqueur. De toute façon, là, pour le prochain rang, on ne va plus avoir besoin de notre anneau marqueur. Et après, je vais vous expliquer oralement. Je n'ai pas envie de vous ennuyer comme ça, vous mobiliser comme ça devant la vidéo. Donc j'ai terminé, je suis sur l'endroit et là regardez, nous allons non plus tricoter 45 mailles mais 44 mailles. Donc comme j'ai encore mon anneau marqueur, je vais m'arrêter à une maille avant l'anneau marqueur. Donc vous allez compter 44 mailles, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc vous pouvez compter ou vous arrêter à une maille, non, deux mailles avant l'anneau marqueur plutôt. 44 mailles.
Donc, ma 45e maille, elle est là, juste avant mon anneau marqueur. Et là, c'est ma 44e maille. Donc, moi, j'enlève mon anneau marqueur parce que j'en ai plus besoin. Donc, j'ai tricoté 44 mailles. D'accord ? J'ai tricoté 44 mailles. Et maintenant, comme nous avons fait tout à l'heure, nous allons faire deux mailles ensemble. Donc, je pique ma maille comme ceci. Je l'enlève et regardez, je viens piquer par derrière comme ceci. Donc je tourne ma maille, je prends deux mailles ensemble et les deux suivantes ensemble. Et maintenant, je vais vous expliquer oralement ce que vous allez faire parce que je n'ai pas envie de vous ennuyer, ça va durer trop longtemps après. Regardez, nous obtenons quelque chose comme ceci. Donc, nous avons tricoté 44 mailles. Nous avons tricoté deux mailles ensemble. Les deux suivantes ensemble. N'oubliez pas de tourner donc votre première maille à l'endroit ici. Vous allez continuer à tricoter 44 mailles. Donc vous retournez votre travail, vous tricotez tout à l'envers. Vous revenez sur le devant, vous allez tricoter 43 mailles. 43 mailles. Vous allez tourner, n'oubliez pas de tourner votre première maille. Donc, vous tricotez deux mailles ensemble, les deux suivantes ensemble et vous tricotez 43 mailles. Sur l'arrière, toutes vos mailles à l'envers. Vous revenez sur l'endroit, cette fois-ci vous allez tricoter 42 mailles, deux mailles ensemble, deux mailles ensemble, 42 mailles. N'oubliez pas de faire votre continuité ici en tournant votre maille. Sur l'envers, tout à l'envers. Vous revenez sur l'endroit, vous tricotez 41 mailles. 41 mailles, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 41 mailles. Vous retournez, vous avez 84 mailles sur vos aiguilles, vous tricotez vos 84 mailles à l'envers. Vous revenez, vous êtes sur l'endroit et vous allez tricoter 40 mailles, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 40 mailles. Vous avez 82 mailles, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers et vous revenez. Vous allez tricoter 39 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 39 mailles à l'endroit. Vous êtes sur l'arrière, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit et là vous avez normalement 80 mailles. 80 mailles et vous allez avoir une petite ligne ici, regardez, avec vos diminutions qui vont continuer. Donc, vous continuez ainsi et on va se retrouver après pour faire la poche. Donc, je vais vous montrer comment faire la poche après. Donc, n'oubliez pas, nous avons fait 44 mailles, 2 diminutions. Deux ensemble, n'oubliez pas de tourner la maille, je vous réexplique. 42 mailles, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 42 mailles. Vous retournez tout à l'envers, 41 mailles, 2 ensemble, 2 mailles ensemble, 41 mailles, tout à l'envers sur l'envers. 40 mailles, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 40 mailles à l'envers, tout à l'envers. Vous revenez. 39 mailles, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 39 mailles. Vous tricotez toutes vos mailles à l'envers et une fois que vous serez sur l'endroit, on va se retrouver pour faire notre poche. Donc, je vous dis à très vite pour la deuxième partie. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis donc à très bientôt pour la deuxième partie. Je vous souhaite un bon tricot.